Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons procéder au premier tirage du jour. C'est parti. Allez go. Donc c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous êtes prêts? On y va. La moisson, numéro 10. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est une carte intéressante qui signale que le consultant va récolter le fruit de ses efforts. C'est donc l'image du temps, de la récolte, des rémunérations, des récompenses et donc de la satisfaction. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle signale l'aboutissement d'une situation. C'est la fin d'une période et le début d'une autre, une période de transition. Les résultats, quel que soit le domaine, dépendront essentiellement des actions du consultant face à une situation donnée et de son investissement. Numéro 2, lequel? Alors, c'est une très bonne carte. Elle représente la joie, la bonne humeur, la passion, les sentiments partagés, la satisfaction, l'épanouissement dans tous les domaines. Dans un jeu professionnel, elle est là pour indiquer que le consultant aime son travail et va trouver une activité, voire un poste qui lui conviendra. C'est aussi le signe qu'il est apprécié dans son milieu professionnel. L'amour, un indice de reconnaissance et de réussite dans les projets. Sur le plan sentimental, pour un célibataire, elle signale une rencontre prochaine et ce, qu'elle ne dure ou pas. Pour une question en relation avec un couple, elle représente la réciprocité des sentiments. Carte numéro 3, le deuil. Pas souvent celle-là. Hein? Alors, qu'est-ce qui se termine comme période pour vous, numéro 3? Au même titre que l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, ou l'infortune de Béline, cette carte fait toujours peur. Cependant, il ne faut pas la prendre au premier degré. Le plus souvent, elle annonce la fin d'une situation, d'une façon de travailler, d'une relation ou d'une activité. Lorsqu'elle apparaît dans un jeu, elle annonce que le consultant est à la fin d'un bail ou d'un cycle. Peut-être devra-t-il faire son deuil d'une situation. Par extension, elle peut être symbole de souffrance, de problèmes émotionnels, de tristesse, d'une période de transition compliquée. Elle demande souvent d'accepter une chose ou qu'une relation se termine. Voilà, c'est juste la fin de quelque chose. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!